dégagez. C'est pas d'elle, ça. Ah ouais, c'est pas d'elle. Oh. Pas de problème, ça. Très bien ? Très bien. Genre de vérité. Il n'y a pas de jugement, hein. Ah. Zéro. Ah, moi, j'ai pas de jugement non plus. Zéro, zéro, zéro. Le plus beau jugement, déjà, c'est normal quand on fait. C'est un beau jugement, ça. C'est vrai. De mes 12 à 20 ans, j'ai jamais eu mal nulle part. Et là, après, depuis le Covid, j'ai eu mal partout, tous les jours, il y avait un truc. Une fois l'épaule, une fois le dos, une fois le genou, une fois le... T'as quel âge, là? 23. Ah ouais, ça fait 3 ans. Ouais, tous les jours. Putain, tous les jours, il y a un truc. Mon dos 6 mois l'année dernière. À cause de ça. Il sent que j'ai envie de jouer. Tiens, je t'en donne une autre. Celle-là, elle a commencé à être usée. Ah ouais, celle... bah, voilà, en match, regarde. Au bout de... Ah, regarde. Franchement, sans abuser, ouais. 3 jeux sont comme ça. Ah ouais. Comment tu fais pour mettre des coups gagnants après quand t'es ici? Quand t'es 2 mètres derrière, pour frapper fort la balle. Ah, si t'es 2 mètres derrière, c'est très compliqué. Ça, c'est sûr. La composante de mon service qui est très importante. Là on sait si je servir ou pas, c'est si vraiment j'arrive à la claquer, tu vois, que je sois assez en rythme pour pouvoir vraiment la claquer et avoir l'impression que c'est limite qu'avec le poignet en fait, ouais. Et qu'elle soit courte. Et en fait c'est ça que j'avais perdu aussi, c'est que vu que j'avais besoin de forcer pour la faire partir, je l'envoyais devant et je faisais servir comme ça, tu vois. Ouais. Donc je me suis tué l'épaule et j'avais plus cette composante là d'être en timing en fait, d'être là et juste ici et pam. Et pas chercher à forcer du tout, complètement relâché. Bah, quand je savais relâcher, je suis arrivé à 160. 70. Ah oui. Ah vraiment. Et là tu sers comment alors? Relâché ou pas relâché là? Bah là ma technique commence à un peu changer parce que je sens que j'ai la maîtrise de la raquette plus facile. Mais là je suis relâché, je suis bien. Je dirais que des fois je manque un peu d'hauteur service. Vu que je suis grand, je pourrais l'envoyer un peu plus haute pour aller plus la chercher, tu vois. Je dirais que c'est ça la composante qui manque un peu là. Ok. Là, mais au niveau relâchement t'es bien là? Au niveau relâchement je suis bien. Ok. Je me sens là. Devant, pour ça qu'elle est un peu longue. Elle est bonne, non? Ouais, non, elle est bonne, mais elle est longue. Ah, tu veux qu'elle soit longue? Tu veux qu'elle soit courte? Ouais, en fait, vraiment, je dirais que, on va dire, dans l'absolu, il faudrait qu'elle tombe avant ici, tu vois. Si elle tombe ici, dans cette zone. Pourquoi? Je sais pas, c'est là où je trouve que mon service est le plus efficace aussi. Okay. Parce que le truc, c'est qu'un mec au retour, bon, c'est sûr, attends, si je suis à ça de la ligne à 2,15, de toute façon, elle la touche pas, quelle que soit si elle est longue, pas longue, machin. Et quand le mec est assez à bas, elle est vraiment ici. C'est moins dur que si elle est un peu là avec la vitesse. Et avec ma taille, je pense que je suis capable de créer ce truc en plus. D'accord. Compris. Extérieur, Pierrot? Bon, le taille, ça je suis content. Il est beau. Ouais, je suis content. Ça, je suis content. Là, il est court comme il faut. Tu veux faire quoi? Bah, je dirais que... Vraiment le service et la première frappe vraiment. Okay. En fait, d'être vraiment lucide sur la première frappe, c'est-à-dire tu fais un bon service, mec retourne bien, bah faut accepter que le mec retourne bien, tu te retrouves dans l'échange, il n'y a pas de souci. Okay. Mais c'est de dire tu sers bien, tu as une balle carrée, ou tu as une balle où tu peux y aller avec le corps, faire un enchaînement, jouer de l'autre côté, faire ça. Okay. Bah, utiliser l'opportunité parce qu'il n'y en aura pas 50 par point. Quoi. Très bien. C'est ce que je me dis en tout cas. Je vais te donner la deuxième balle. Ok, d'accord, c'est toi qui l'envoie. C'est moi qui l'envoie. Ça peut être court ou long. Ok, c'est à moi de m'adapter. Ouais. Okay. Il y a des fois je suis un peu gourmand aussi. Sur exactement. C'est ce que j'allais te dire. Je sais pas pourquoi je vais me mettre à ça. Non quoi. Mais t'es 2 mètres dans le cours, tu la prends tôt, tu vas à long de ligne, t'as pas besoin de chercher une zone de fou. Mais tu sais ce qui est fou, c'est que je vise pas là. Mais je vise pas très sincèrement là non plus. Je vise là-bas. Ok. C'est trop vague. C'est trop vague. Ok. Ça suffit largement. Et c'est super. Surtout dans l'absolu, si tu le fais 100 fois et que tu mets 100 attaques dans le terrain, c'est-à-dire le mec, il faut qu'il gagne 51 points dans cette position pour être plus rentable que toi. C'est un mec statisticien, putain. Bah ouais. Mais il y a une part de vérité. Hein. C'est vrai. Elle est facile, mais elle n'est pas non plus… Je me demande vraiment. Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Si je vais à 12 000 avec les gens, je peux faire un coup droit, tu penses? Non, elle était dure. Ouais, elle était dure. À mon avis, elle était un peu dure parce qu'en plus, je suis placé là, donc elle part par là-bas. Hein. Ouais. On recommence. Donc, par contre, on le verra à la vidéo. Il peut essayer de le jouer, le retour, l'avant. Il n'y avait pas de retour en fait. Il n'y avait pas de retour. Allez, on y va. Ok. On va juste faire un tout petit truc qui est vraiment important, qui te met en difficulté à chaque fois, mais c'est pas, ça date pas d'hier, mais il faut le régler. Non, non, mais il faut le régler. C'est que ta préparation, elle démarre au moment où la balle touche le sol. Heureusement qu'elle est courte, mais tu l'as raccourcie à cause de ça, alors que le faut pas la raccourcir, il faut juste la préparer. Plutôt. Voilà. Le principe est simple, la balle rebondit, une fois qu'elle touche le sol, elle est terminée la préparation. Tu commences à accélérer ta main. Quand elle touche le sol, tu joues vers l'avant, ok? Ok. Débrouille-toi comme tu veux, mais… Voilà. Ouh là là, il y a de l'enthousiasme là. Non, mais j'arrête de faire n'importe quoi à l'entraînement parce qu'après en match, les balles faciles, je les pousse. Très bien, parfait. Pareil, concentré sur ta préparation et l'accélération. Voilà, parfait ça. Dieu sait qu'elle était dure, aucun problème. Ouais, t'étais prêt. C'est fou parce que tu sais, c'est un peu comme dans tout, plus c'est dur, plus tu le fais facilement presque. Alors quand des fois t'as le choix, tu le fais pas. Ah, sauf si c'est automatique. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on va le répéter. Là c'est vrai que sur les balles qui vont vite, attention, sur les balles qui vont vite vers moi en retour, j'ai l'automatisme. Sur les balles qui sont un peu moyennes, en fait des fois je me mets en retard tout seul parce que comme je vais vers la balle, je m'enlève du temps. Et comme je prépare pas, bah, je suis en retard. Bien vu. Oh putain le salaud. C'est parfait. Vamos, vamos, vamos. Parfait. Très très bien. T'es bien à la préparation là. Ouais, c'était bien. Parfait. Ah c'est bien ça. Je bois un petit coup, ça dérange pas. Ouais, pas du tout. Attention. C'est parfait ça, putain, ça change tout. Et il y a aussi un autre truc que je trouve très intéressant dans ça qui est pas forcément la préparation, même si c'est très important, c'est que quand tu es préparé, tu as le temps de mettre un petit coup d'œil aussi de qu'est-ce qui se passe en face. Alors quand tu es trop concentré dans le rush sur toi, tu vois pas ce qui se passe en face. Tout à fait raison, entièrement d'accord, entièrement d'accord. Attention, ça va. Merci. Dexter. Oh non, j'ai trop attendu là. J'ai trop attendu. T'écoutes, t'as changé d'avis. Ouais. Tiens. Ça c'est parfait. Superbe, merci. Sur celle-là, tu peux prendre de la hauteur, hein, parce que la balle, elle tombe à ça de la ligne. Jouer à plat, là, c'est pas... Là, surtout, je recule beaucoup sur une balle où j'ai pas trop besoin, non? Bah si, parce qu'elle est première de tomber. Je te l'ai envoyé dans les pieds, là. T'étais ici, la balle, elle retombe là. T'es obligé de reculer, t'as pas le choix. Par contre, si t'es ici, et que tu frappes à plat, c'est pas forcément le... le bon bail. Bah, celui-là, je pense que celle-là était mieux. Ouais. Non? Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Si t'es dans le terrain et que t'es en position d'attaque, que tu joues plus à plat, y a pas de problème. Si t'es derrière la ligne de fond de court, bah, cherche la balle courte sur la prochaine, c'est ton but. Ah, c'est parfait. Zero risk là-dessus, parfait. Hey guys, if you enjoyed this video and want more tennis tips, first, don't forget to subscribe to my YouTube channel and then follow me on Instagram at Patrick Mouratoglou. See you very soon on a tennis court.